Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue dans ce cours de gym du dos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce cours, on va essayer de travailler la mobilité, le renforcement musculaire et l'assouplissement du dos. Donc, c'est une gym douce qui peut être adaptée à beaucoup. Je vous donnerai juste deux conseils. Premièrement, comme c'est une gym qui n'est pas cardio, prenez votre temps. Prenez le temps de bien vous positionner, de bien respirer. C'est important pour le renforcement des muscles profonds. Et deuxièmement, vous ne devez pas avoir mal. Vous devez ressentir la contraction musculaire, l'effort, mais vous ne devez pas sentir de douleur ni de tiraillement. Si c'est le cas, vous arrêtez, vous soufflez, vous repositionnez et vous reprenez. Si c'est trop difficile, toujours, n'hésitez pas à écourter les séries, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est de faire du bien à son corps. Vous savez tout, donc on peut commencer. Bonne gym! Alors, on va commencer par un échauffement basique, par des mouvements de la tête. On est parti. Donc, en avant, en arrière. 5 fois. En avant, en arrière. 2. 3. 4. On essaye de faire doucement, mais d'aller assez loin. 3, 4, 5. On relâche bien ses épaules. On tourne la tête maintenant. 1, 2, 3. 5. Relâchez bien vos épaules, mettez vos mains sur vos épaules et on va faire des cercles avec ses bras centrés sur ses épaules. Pareil, cherchez à faire bien ample pour bien mobiliser ses bras, ses épaules. 4. On essaye de serrer un tout petit peu son ventre pour ne pas creuser le bas du dos. 8, 9, vous virez bien grand, et 10, je relâche, j'amène mes mains en direction du plafond, j'étire, je monte sur pointe de pied, je serre le ventre, je relâche doucement, et je vais vers le sol, doucement aussi, je ne force pas, je relâche ma nuque, mes épaules, je souffle bien. J'écarte un tout petit peu mes pieds et je vais balancer mes bras entre mon pied droit et mon pied gauche. Je relâche, je souffle à fond. Respirez bien, repliez les genoux et ensuite redressez-vous en déroulant le bas du dos, le milieu jusqu'en haut. Déroulez vos épaules. Ensuite, une main sur la hanche, je fléchis la jambe du même côté. Et j'amène le bras au-dessus de l'oreille et j'étire. J'inspire. Et je souffle, je relâche. De l'autre côté. J'inspire, j'étire, je serre le ventre. Je relâche. De nouveau les bras tout en haut. J'étire en serrant le ventre. Je vais chercher le plus loin possible. J'inspire. Je souffle, je pousse mes mains loin devant, je rentre le ventre, poussé, je fais dos rond et je relâche. Encore une fois, je souffle bien et je balance entre la jambe droite et la jambe gauche. Relâchez, repliez les genoux et encore une fois, on déroule son dos du bas vers le haut. On finit par les épaules. Et on relâche. Très bien. Alors, on va commencer par des exercices à quatre pattes. Donc, j'écarte un tout petit peu mes genoux derrière. Et devant, je me mets sur...
sur les coudes. Bras légèrement écartés. La distance entre mon coude et mon genou est à peu près celle de mon dos, donc les coudes bien en dessous des épaules. Je travaille la mobilité du dos. J'inspire. Je fais dos creux, je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates dans le dos en inspirant. Je souffle, dos rond à l'inverse. Je pousse le dos dans le plafond, je regarde vers l'arrière en soufflant. Inspirez, dos creux. Soufflez, dos rond. Inspirez. Soufflez. Inspirez, dos creux. Soufflez, dos rond. Inspirez. Soufflez. On va tenir un petit peu plus longtemps la position. Donc vous soufflez, vous videz votre cage thoracique. Quand vous avez fini de souffler, vous bloquez votre respiration et vous rentrez très fort votre ventre. Très fort, très fort. Je relâche. Je reprends ma respiration. Je resserre un petit peu mes genoux derrière. Je mets mon dos en position droite. Je serre le ventre. Dans cette position, je vais allonger ma jambe droite derrière. Je la soulève et j'essaye de l'aligner avec mon dos en gardant bien le ventre serré pour ne pas creuser le bas du dos. Quand je sens que je suis en équilibre, j'allonge ma main gauche devant au sol. J'essaye d'aligner mon bras, mon buste, ma jambe et je tiens la position. Je regarde le sol pour aligner mes cervicales et je respire bien à fond. 1, 2, 3, 4, 5, serrez bien le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. Je replie le bras, la jambe et j'étire. Je m'assois sur les talons, je fais dos rond. Je respire bien à fond. Je relâche bien mes épaules. Et je reviens en position, coude fléchi, épaule au-dessus des coudes. Cette fois-ci, jambe gauche derrière, je serre le ventre, je lève ma jambe gauche, je l'aligne avec mon buste. Quand je sens que je suis équilibrée, j'avance ma main droite loin devant, le plus loin possible. Je cherche à bien étirer. Je garde le ventre serré et j'essaye d'amener le plus loin possible mon pied derrière. Et je tiens la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, je relâche. Je replie le coude, je replie le genou et j'étire. Je souffle, je fais dos rond, je rends bien mon menton et j'étire mon dos. Très bien, mes exercices sur les mains. J'écarte légèrement mes mains, elles sont positionnées en dessous de mes épaules. J'écarte un tout petit peu mes genoux. J'inspire, je fais dos creux, je baisse mes épaules, je serre les omoplates dans le dos, je souffle, dos rond. Inspirez, dos creux, soufflez, dos rond. Inspirez, dos creux, soufflez, dos rond. Poussez le dos dans le plafond, rentrez bien le menton. Inspirez, baissez bien vos épaules. Soufflez. Dos rond. Le dernier avec le transverse. J'inspire. Dos creux. Épaules abaissées. Omoplates resserrées. Soufflez, dos rond. Je vide tout. Ma cage thoracique. Je souffle, je vide, je vide, je vide. Quand j'ai terminé de respirer, je bloque ma respiration et je rentre très fort le ventre. Je relâche, j'inspire. Je mets mon dos en position allongée, je serre le ventre, je resserre mes genoux derrière. J'allonge ma jambe droite
tendu, je serre le ventre, j'aligne mon buste et ma jambe droite. Je cherche à tendre ma pointe de pied pour bien étirer la jambe le plus loin possible. Quand je sens que je suis stabilisée, j'avance ma main gauche devant, je lève le bras doucement et j'aligne le bras gauche, le buste, la jambe droite. Et je tiens en respirant. 1, 2, 3, 4, serrez bien le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. Reposez la main, posez la pointe de pied. Reculez vos mains, pliez un petit peu plus votre jambe gauche. J'amène ma jambe tendue le plus loin possible derrière. Je me redresse et j'étire mon dos. Je vais sentir l'étirement ici au niveau du psoas. J'essaye de serrer le ventre un petit peu en même temps. Et je relâche. De l'autre côté. Main en dessous des épaules. Je tends ma jambe gauche, je soulève, je l'aligne avec mon dos, je serre bien le ventre. Quand je sens que je suis stabilisée, j'avance ma main droite et je décolle le bras. J'aligne le bras droit, le buste, la jambe gauche et je tiens la position. 1, 2, 3. Allez, tirez bien aux deux extrémités, serrez bien le ventre. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Je repose ma main. Je ramène mes mains vers mon genou droit. Je pose la pointe de pied. Je plie mon genou droit un petit peu plus. Je me redresse. Et j'étire mon dos en extension. Je baisse bien mes épaules. Je grandis. Je respire. Et je relâche. Dernière partie, on revient sur les coudes. Cette fois-ci, on met les deux avant-bras en contact et on va essayer d'appuyer dans ces deux paumes de main l'une contre l'autre. Donc, on va travailler un petit peu plus en déséquilibre. Les genoux en dessous des hanches, serrés l'un contre l'autre. J'inspire, je fais dos creux. Je baisse les épaules. Je souffle, je fais dos rond. Inspirez, dos creux. Soufflez dos rond. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez dos rond. Inspirez. Baissez les épaules. Soufflez. Videz votre cage thoracique. Bloquez votre respiration et rentrez très fort le ventre. Relâchez, inspirez. Alors, c'est un tout petit peu plus dur dans cette position. Donc, je garde bien mes deux mains l'une contre l'autre, les deux avant-bras le plus serrés possible. Je tends ma jambe droite. Je serre bien le ventre avant de lever ma jambe. Voilà, quand je sens que je suis équilibrée, je décolle ma jambe et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, relâchez, soufflez. De l'autre côté, serrez bien le ventre, relâchez vos épaules. Je tends ma jambe gauche, j'appuie bien dans mes deux mains, je serre le ventre. Je décolle le pied gauche et je l'aligne avec mon buste. 1, 2, 3, 4, étirez bien votre jambe, serrez le ventre. 7, 8, 9, 10. Reposez, relâchez, repliez, on étire. On s'assoit sur les talons, main loin devant, je rentre le menton et je respire bien à la fin. Et je relâche. Main devant les genoux. Et je me redresse en déroulant mon dos. Alors, pour la suite des exercices, je vous laisse vous prendre une serviette que vous roulez pour vous faire une sangle. Donc,
prenez une serviette pas trop épaisse et un peu résistante. Donc on va se mettre assis, jambes tendues, et passer sa sangle autour des pieds. Donc vous la mettez bien au niveau des avant-pieds. Donc on va alterner deux positions. Première position, je tracte par l'intermédiaire de ma sangle sur mes avant-pieds pour étirer à l'arrière des jambes. Et en même temps, je me grandis, j'allonge mon dos, je baisse mes épaules. Première position. Deuxième position, dos rond. Je suis toujours en traction sur l'avant-pied. Je passe le poids du corps un peu plus sur l'arrière. Je rentre mon ventre, je regarde mon nombril. Je laisse mes omoplates s'écarter dans le dos. Ça, c'est la deuxième position. Première position, j'inspire. Deuxième position, je souffle. Bien haut. Inspirez. Soufflez, dos rond. Inspirez, grandissez-vous bien, tractez sur les avant-pieds. Soufflez, dos rond. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. On va tenir la position. Donc je cherche à me grandir au maximum. Je baisse mes épaules. J'essaye de légèrement tracter sur la sangle. Je rentre le ventre, j'essaye d'avoir les genoux tendus et les pointes de pied bien flexes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, grandissez, grandissez. 9, 10. Relâchez. Maintenant, on fléchit sa jambe gauche. Et on garde uniquement le pied droit avec la sangle autour. Je lève ma jambe droite, je fais mon réglage pour avoir toujours les bras tendus, pour ne pas forcer avec les épaules, épaules basses. Je passe le poids du corps sur l'arrière, je tends bien ma jambe. Donc là, je suis en dos rond, je regarde mon nombril. Je souffle, j'inspire sans bouger ma jambe droite, je grandis mon dos. 1. Soufflez, dos rond. 2. Je grandis. Soufflez, dos rond. 3. Je grandis. Soufflez, dos rond. 4. 5. Je vais tenir la position. 1. 2. 3. 4. Baissez bien vos épaules. Tractez bien sur l'avant-pied pour avoir bien la jambe tendue. 7, 8, 9, 10. Je relâche, je fais dos rond. Je souffle bien, j'étire bien mon dos. Cette fois-ci, je me remets en position, je serre bien le ventre. Soit je fais la même chose, soit je fais un tout petit peu difficile. Je ramène le pied vers moi. Et je décolle le pied gauche. Et je tiens la position. 1, 2, 3. Serrez bien le ventre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Je repose mes deux jambes. Je souffle, j'étire. Relâchez bien. Même chose de l'autre côté. Alors, on fléchit la jambe droite, on lève sa jambe gauche, on fait son réglage bras tendu, on l'amène aussi où on peut, on est dos rond, on regarde son nombril. Je fixe la position de la jambe gauche, j'inspire, je grandis. 1. Soufflez, dos rond. 2. Soufflez. Inspirez, grandissez. 3. 4, 5, allez, tenez, on se grandit, toujours plus haut la nuque, les épaules basses, je ne relâche pas la jambe gauche, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je relâche, je fais dos rond, je me positionne bien
ensuite fin de la série. Soit la même chose, soit je me redresse, je serre le ventre, je rapproche légèrement mon pied droit et je le décolle et je tiens la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je repose. J'allonge mes jambes et j'étire. Je pose ma sangle. Une main de chaque côté des jambes. Je relève bien la nuque, mon dos et je souffle. Si je veux, je peux attraper les pointes de pied et tracter dessus pour étirer un peu plus les muscles à l'arrière du corps. J'enroule bien ma nuque et surtout je souffle. Je me redresse en déroulant mon dos. Maintenant, je plie les deux jambes à la fois. Je mets mes mains sur les tibias, je serre le ventre, je me grandis. Je presse le poids du corps plutôt sur l'arrière. Et quand je sens que je suis en équilibre, je décolle les deux pieds, je tiens la position. Toujours ventre bien serré et le dos bien allongé. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, relâchez, écartez vos genoux et abaissez votre dos vers l'avant. Posez vos mains au sol, relâchez. Même si vous n'allez pas très bas, c'est pas grave. Relâchez vos épaules, enroulez votre nuque, menton sur le sternum. Resserrez vos genoux. Une deuxième fois, la même chose. Ou si on veut un petit peu plus dur, je serre le ventre, je décolle les pieds et je mets les mains juste au-dessus du sol et je tiens la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez, reposez très bien. Une deuxième fois, genou écarté. J'enroule mon buste vers l'avant. Je souffle. Je relâche mon dos, ma nuque et mes épaules. Respirez tranquillement. Relâchez et redressez en déroulant votre dos. Pour la suite des exercices, on va s'allonger et se mettre sur le dos. On va être jambes fléchies, pieds espacés à peu près la largeur du bassin, bras le long du corps, paume de main vers le ciel, épaules relâchées et nuque allongée. Je rentre le menton. J'essaye même d'appuyer légèrement l'arrière de ma tête dans le sol. On va travailler un peu plus la mobilité du dos. Donc on commence. On va souffler et en même temps basculer le bassin, donc l'enrouler, décoller le bas du dos, le milieu, jusqu'en haut, en maintenant son ventre bien contracté, serré. Et ensuite, on redescend, même chemin, vertèbre après vertèbre, jusqu'en bas du dos. Sur la respiration, ça donne je souffle, je bascule, je décolle. Et ensuite, je repose sur l'inspiration. Et je vais jusqu'en bas, sans contracter les épaules. Soufflez, basculez, décollez. Reposez, inspirez. Soufflez, basculez, décollez. Reposez, inspirez. Les épaules sont relâchées, c'est important. Soufflez, basculez, décollez. Le ventre est serré. Je garde la nuque allongée. Et je redescends doucement, vertèbre après vertèbre. En inspirant, soufflez, basculez, décollez, reposez, inspirez, soufflez, basculez, décollez, reposez, inspirez, serrez bien votre périnée aussi, soufflez, basculez, décollez, et cette fois-ci on va tenir dans cette position.
On essaye d'avoir le buste aligné avec ses cuisses. On serre bien le ventre, les fesses, le périnée. Les paumes de main toujours vers le ciel. Épaules relâchées, nuque allongée. Et j'essaye de me concentrer sur ma respiration et de bien insister sur l'expiration, donc en soufflant profondément. On fait trois grandes respirations. Une deuxième. J'essaye de ne pas relâcher mon dos. Et une troisième. Je serre bien le ventre quand je souffle. Relâchez. Reposez doucement vertèbre après vertèbre. Soufflez. Maintenant, on va placer ses bras ouverts sur le côté en croix. On imagine qu'on est dans un couloir, les mains posées sur les parois et on va pousser sur les parois en fléchissant les poignets. Donc, on va sentir l'étirement jusqu'au bout des doigts. On allonge bien sa nuque. On souffle, on bascule, même mouvement jusqu'en haut. Et on repose vertèbre après vertèbre sur l'inspiration. Soufflez, levez, gardez l'allongement du dos. Reposez, inspirez. Poussez avec vos bras sur les parois du couloir. Soufflez, basculez, levez. Reposez, inspirez. Soufflez, basculez, décollez. Reposez, inspirez. On est toujours bien gainé au niveau du buste, des fessiers, du périnée. Soufflez, basculez, décollez. Reposez, décomposez bien le mouvement. Gardez bien la nuque allongée, rendement tout rentré. Soufflez, basculez, décollez. Reposez, inspirez. Soufflez, basculez, décollez. Reposez. Essoufflez, décollez vertèbre après vertèbre et tenez la position. La nuque est allongée, les épaules relâchées, les bras le plus possible tendus, poignets fléchis, on pousse dans les parois du couloir avec ses mains, le ventre est serré, les fesses serrées, le périnée serré. Je tiens la position, trois grandes respirations. La première, soufflez sans laisser sortir le ventre. Deux. Allez, poussez bien dans les bras la troisième. Très bien. Reposez, relâchez. Contrôlez bien la descente vertèbre après vertèbre. Dernière série, j'amène les bras loin derrière. Alors, je ne suis pas obligée d'aller poser les bras au sol, mais au contraire, juste au-dessus pour bien étirer le dos. Alors, un tout petit peu différent la série, cette fois-ci. Je souffle, je bascule, je vais jusqu'en haut, pareil. Et quand je redescends, vertèbre après vertèbre, je m'arrête avant de poser le bassin. Je garde toujours le menton bien rentré. Et je souffle, je décolle de nouveau. Reposez, inspirez. On s'arrête avant de poser les fesses. Soufflez, levez. Reposez partiellement, inspirez. Soufflez, levez. Reposez, inspirez. Soufflez, levez. Gardez bien le ventre serré, le périnée serré. Reposez, inspirez, décomposez bien le mouvement, c'est très important. Soufflez, levez. Reposez, inspirez. Soufflez, levez. Reposez, inspirez. Soufflez, levez. Reposez, inspirez. Soufflez, levez. Et on va tenir la position. Je vais chercher très loin avec mes bras derrière, bien tendus. Mon menton est rentré. J'appuie l'arrière de la tête dans le sol. J'essaye d'avoir le buste aligné avec mes cuisses.
Je serre le ventre, les fesses, le périnée. Je tiens la position sur trois grandes respirations. Inspirez, grandissez. Soufflez, videz tout. Sans relâcher le ventre. Une deuxième, inspirez. Soufflez, videz tout. Inspirez. Soufflez, videz tout. Très bien, reposez en contrôlant et relâchez les bras. On ramène les jambes sur le ventre, main au niveau des tibias. Je souffle, j'appuie mes jambes sur le ventre et en même temps, j'allonge ma nuque en rentrant le menton. Je souffle. Je repose. Je pose les deux pieds au sol de nouveau, cette fois-ci l'un à côté de l'autre. Juste sur la respiration. J'amène mes bras loin derrière, juste au-dessus du sol. J'inspire. Je peux laisser creuser le bas du dos pour aller un peu plus loin sur l'étirement. Je vais le plus loin possible. Je maintiens la position, l'allongement. Et là, je vais souffler, vider ma cage thoracique. Bien sentir que j'abaisse mes côtes ici. Je resserre le ventre tout en gardant l'allongement. Je garde bien le menton rempli. Encore. J'inspire. Je souffle, je vide tout. Revenez plaquer le dos au sol, serrez le ventre. La dernière avec le transverse. J'inspire, je grandis. Je laisse creuser. Je souffle, je maintiens l'allongement du dos. Je vide ma cage thoracique, j'abaisse mes côtes. Je remets le dos au sol, je vide tout. Je bloque la respiration cette fois-ci quand j'ai terminé. Et je rentre très fort le ventre. Relâchez, inspirez. Main sur les tibias. J'allonge ma nuque. Je souffle. J'appuie sur les tibias pour bien étirer le dos. Je relâche, inspire. Souffle et appuyez. Étirez le dos. On va faire le même travail respiratoire avec les genoux écartés sur le côté. Bras loin derrière. J'inspire, je laisse creuser le bas du dos. Je souffle, je remets le dos au sol, je rentre le ventre, j'abaisse les côtes. Je rentre le menton. Inspirez, étirez votre dos, soufflez, videz tout. Très bien, une dernière. Inspirez, allez loin derrière. Soufflez, videz tout. Videz, 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 videz. Bloquez la respiration et rentrez très fort le ventre. Relâchez, très bien. On resserre les jambes et on s'allonge complètement au sol. Pour la suite des exercices, je vais reprendre ma serviette qui me servira de sangle. On va mettre ses deux jambes groupées sur le ventre et passer sa sangle autour de ses pointes de pied. Donc, je positionne bien mon dos maintenant. Je rentre bien mon menton pour allonger ma nuque. Je serre le ventre. J'ai le dos aligné sur toute la longueur, de la base de la nuque jusqu'en bas du dos. Le mouvement, ça va être, je souffle, je maintiens le dos dans la position et en même temps, je pousse les talons en direction du plafond. Donc bien pointe de pied flex pour bien étirer les muscles à l'arrière du corps. Je serre mon ventre en même temps. J'appuie bien l'arrière de la tête dans le sol. Je replie. Soufflez. Talons en direction du plafond. J'étire mes jambes. Je tracte sur l'avant-pied. Et en même temps, j'allonge mon dos. J'appuie l'arrière de la tête dans le sol.
toujours ventre serré. Je replie. 3, soufflez, talon direction du plafond. Je serre le ventre, j'allonge mon dos. Je relâche. 4, j'allonge, talon direction du plafond, je souffle. Je repose, une dernière. Inspirez, allongez. Soufflez, serrez le ventre. Talon en direction du plafond et je tiens la position. Je fais bien mon réglage au niveau de la sangle pour toujours avoir les bras tendus, les épaules relâchées. La nuque est allongée, le menton rentré, le ventre bien serré. Et je tiens 3 grandes respirations. 1. Videz votre cage thoracique en serrant le ventre. 2. Une troisième. Très bien. Relâchez. On souffle. Deuxième mouvement. Je repars, jambes tendues, talons en direction du plafond. Maintenant, je vais essayer de ramener les jambes un petit peu plus vers moi. Et donc, je laisse décoller les fesses et le bas du dos. Faites ce que vous pouvez. Essayez de bien maintenir par contre votre menton rentré, votre nuque allongée. Et on ramène. 1. Soufflez, ramenez. 2. On ramène. 3. Soufflez. Ramenez les jambes. Gardez la nuque allongée. Reposez. 4. Soufflez, ramenez, enroulez. Et 5. On va tenir la position. Les jambes au maximum tendues. Le dos s'est enroulé. Le menton est rentré, la nuque allongée. On relâche les épaules tranquillement et on tient la position. 3 grandes respirations de nouveau. Épaules bien ouvertes, relâchées.
quand j'ai fini les 10 secondes, je souffle, je vide ma cage thoracique. Quand j'ai fini, je bloque la respiration et je rentre le ventre. Je repose, j'attrape avec mes mains mes tibias, je fais des cercles avec mes deux jambes centrées sur le bassin, je relâche mon dos, je reviens au centre, cette fois-ci, bras grands ouverts sur les côtés, de nouveau comme si on était dans un couloir, les mains sur les parois, je pousse sur les parois, pointe de pied flex, je souffle. J'allonge mes jambes en direction du plafond. Le ventre est serré, la nuque bien allongée. Je respire bien à fond. J'essaye de sentir l'étirement. Je tiens trois grandes respirations. Une deuxième. La troisième. Je rajoute le transverse. Soufflez, videz tout, gardez bien la nuque allongée. Bloquez la respiration, rentrez le ventre. Très bien, contrôlez la descente. Relâchez, main sur les tibias. De nouveau des cercles avec ses jambes, si possible, dans le sens contraire par rapport à tout à l'heure. On relâche son dos. Très bien. Revenez au centre. Dernière position avec les bras loin derrière. Donc juste au-dessus du sol. Pointe de pied flex. Je positionne bien mon dos. Le ventre est serré, périnée serré. Je souffle. Et j'allonge mes jambes dans le plafond. Pareil, j'essaie de bien ressentir l'étirement. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenez la position, soufflez, videz votre cage thoracique. Bloquez et rentrez le ventre. Relâchez, très bien. On souffle. Et on repose ses pieds ensuite un par un au sol. Dans cette série, on va travailler maintenant les abdominaux. On part avec les jambes fléchies, les deux pieds serrés l'un contre l'autre, genoux serrés, périnée serrée. Et ce qui va être le plus important tout le temps de la série, c'est de sentir son ventre contracté. Il faut que ses muscles profonds restent contractés pour bien maintenir ses viscères contre sa colonne et faire en sorte qu'elle soit protégée. Donc quand vous relevez la tête, le buste, vous ne devez pas avoir le ventre qui sort. Gardez tout le temps le ventre bien serré. C'est très important. Main derrière la tête, coude bien ouvert sur le côté. Donc je verrouille le ventre, j'ai la nuque bien allongée. Je souffle, je relève mon axe, la tête, les épaules. La tête va reposer dans mes mains, je ne tire pas sur ma nuque. Et je garde tout le temps le ventre serré, il ne ressort pas. Allez, on est parti 5 fois. Soufflez, levez, 1. Reposez, inspirez, ouvrez grand. Soufflez, levez, 2. Reposez, inspirez. Soufflez, levez, 3. Reposez, inspirez. Soufflez, levez. Reposez. Soufflez, levez et cette fois-ci tenez. Donc la tête est reposée, le ventre serré, périnée serré, genou serré et je tiens. 2, 3, 4. Respirez bien à fond sans lâcher le ventre. 6, 7, 8, 9, 10. Je repose. J'inspire, j'ouvre grand mon thorax, je me grandis, je repositionne bien mon dos. Je resserre bien le ventre périnée. La même chose, soufflez, levez. 1. Je repose, j'inspire. 2. 3.
des bras quand vous reposez. 4. 5. Et on tient. Allez, toujours bien la tête reposée, le ventre serré, le périnée serré. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On tient la position. On souffle, on vide tout. Bloquer et rentrer le ventre. Reposez, inspirez, ouvrez grand. Maintenant, je passe ma jambe droite sur ma jambe gauche en ouvrant bien largement le genou droit sur le côté. Je garde le ventre serré pour garder le bassin équilibré. Une série 2x5 abdos, cette fois-ci en redressant sur le côté droit. Même consigne au niveau du ventre. Soufflez, levez. 1. Toujours côté droit. 2. Soufflez, levez. Je repose, j'ouvre grand. 3. 4. 5. Je tiens. Attention, ventre serré, périnée serrée. Tête reposée dans les mains. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Reposez, inspirez, ouvrez grand. Deuxième série de 5. Toujours à droite. Levez. 1. 2. Soufflez, levez. 3. Reposez, inspirez. 4. 5. Je tiens. 1. 2. 3, 4, attention le ventre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je repose, j'inspire, je garde uniquement ma main gauche sous ma tête, le coude gauche le plus possible au sol. Avec ma main droite, je viens contre ma cuisse droite, je vais pousser ma jambe droite vers l'avant et ma jambe droite à l'inverse résiste. Donc, je suis contre résistance. On sent que ça fait contracter les abdos de faire cette contraction. Et en même temps, je vais essayer de venir appuyer avec mon coude gauche dans le sol. Ou d'ouvrir au maximum, en tout cas, le bras gauche sur le côté. Je souffle, j'appuie et je tiens. 1. Continuez à appuyer tout en soufflant. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, je relâche, je souffle, je décolle mon pied gauche du sol, je passe ma main droite entre les deux jambes et les deux mains se rejoignent à l'arrière de la cuisse gauche. Si on est facile, on peut venir attraper devant au niveau du tibia. Comme on peut, on essaye d'avoir les épaules relâchées et de tenir sa nuque allongée pendant l'étirement. Et on souffle bien. Donc là, on va sentir l'étirement à ce niveau-là, ou éventuellement à l'arrière de la cuisse. Allongez bien votre nuque. Relâchez. On décroise. Et on va faire la même série de l'autre côté. J'ouvre bien la jambe gauche sur le côté. Main derrière la tête. Je serre bien le ventre. Je souffle et je relève cette fois-ci côté gauche. Je n'oublie pas le ventre ni le périnée. C'est parti. Soufflez, levez. 1. Je repose, j'inspire. 2. Je repose, j'inspire. 3. Soufflez, levez. Inspirez, reposez. 4. Je repose, j'inspire. 5. Je tiens. 1. 2. 3. Attention au ventre, au périnée. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Reposez, inspirez. Ouvrez grand votre cage thoracique, allongez votre dos. Ensuite, verrouillez de nouveau le ventre, le périnée. Deuxième série, c'est parti. 1.
2, 3, 4. Ouvrez bien grand quand vous redescendez. Ça contient. Allez, le ventre est bien serré. Le genou bien ouvert sur le côté, périnée bien contracté et je tiens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose. Très bien, maintenant je garde uniquement la main droite sous la tête. Je viens mettre ma main gauche sur ma jambe gauche, je vais pousser le genou vers l'avant. A l'inverse, la jambe gauche pousse la main et résiste. Donc, de faire ce mouvement, je sens les abdos qui se contractent. En même temps, je vais essayer de venir appuyer mon coude droit dans le sol. J'appuie avec ma main, je résiste avec ma jambe et j'ouvre le coude au maximum. Je tiens la position. 1, 2, continuez à respirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Très bien. Je relâche. Je décolle maintenant mon pied droit du sol. Je viens passer ma jambe gauche entre mes deux mains. J'attrape derrière la cuisse. Les deux mains se rejoignent. Je relâche mes épaules et j'étire. Je respire bien à fond. Je viens attraper devant au niveau du tibia si c'est un petit peu facile, comme on peut. J'allonge ma nuque. Toujours pareil, un étirement doit bien se sentir, mais ne doit pas être trop fort. Si vous avez un étirement qui est trop fort, le corps va lutter contre l'étirement et vous ne gagnerez pas. Sentez en premier un relâchement, donc respirez bien, relâchez vos articulations, prenez une position qui est relativement confortable. Et je relâche. Je repose mon pied et je décroise. Maintenant, j'allonge mes deux jambes, j'inspire. J'étire de tout mon long. Je peux laisser creuser le bas du dos pour étirer un petit peu plus. J'inspire, je maintiens l'allongement, je souffle, je vide tout. Je relâche et je fais demi-tour. On va passer sur le ventre. On fait juste un tout petit peu d'exercice pour renforcer au niveau du dos. Alors, j'ai les mains qui sont sous mon front. Je serre mes deux jambes l'une contre l'autre. Je serre le ventre. Et je décolle mes deux jambes. Et je tiens la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose. Deuxième série. Je tends mes bras loin devant, je pose mon front au sol, je serre le ventre, je vais décoller mes deux jambes toujours serrées et tenir la position. C'est parti. 1, 2, attention, le ventre est bien serré. Je cherche surtout l'allongement, pas forcément à lever haut les jambes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. Dernière position. Je mets mes bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Je décolle les bras, je resserre les omoplates dans le dos. En même temps, je vais serrer le ventre et décoller mes deux jambes serrées l'une contre l'autre. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, et je relâche. Très bien. Relâchez. Dernière partie de la séance, on va faire quelques étirements. Pour commencer sur le ventre, je fléchis mon genou
et je vais attraper avec ma main au niveau du coude-pied. J'amène le talon sur la fesse ou en direction. Je respire bien à fond. Je relâche mon dos, mes épaules, ma nuque et je tiens la position. Si c'est difficile, on peut ouvrir sur le côté le genou pour avoir une meilleure prise et bien sentir l'étirement sans que ce soit trop fort. Comme vous pouvez. Respirez bien à fond. Et relâchez doucement. Même principe de l'autre côté, je fléchis le genou, j'attrape avec ma main au niveau du coude pied, j'amène le talon sur la fesse. Je fais en sorte de sentir l'étirement, mais que la position soit confortable. Je respire bien à fond, je me détends. Si besoin, j'ouvre ma jambe sur le côté, comme vous pouvez. Respirez. Relâche à fond. Encore une grande respiration. Et on relâche. Très bien. Mains sur les épaules. Au niveau des épaules plutôt. Je vais repousser le sol. Extension du dos et ensuite flexion genou. Je laisse mes mains loin devant, j'amène mon bassin au-dessus de mes genoux et j'étire mon dos en extension, donc en dos creux. Je relâche bien mon dos. Si ça tire trop au niveau des épaules, je fléchis mes coudes sur le côté. Je pose mon front sur mes mains. Et pareil, même principe en dos creux, je relâche bien. Respirez tranquillement. Relâchez. Fléchissez complètement vos genoux. Amenez les fesses sur les talons. Cette fois-ci, on est au dos rond. Le menton est sur le sternum. Et le dos bien enroulé. Les mains soient soit loin devant, soit éventuellement sous le front, si ça tire au niveau des épaules, ou si vous voulez être complètement enroulé, éventuellement main à côté des pieds, comme vous êtes le mieux pour vous relâcher. On va mettre ses mains juste devant ses genoux et se redresser doucement, bas du dos au milieu jusqu'en haut. On vient se mettre assise, en tailleur, croise les jambes, on vient mettre une main sur le côté, on va faire légèrement glisser, on sent une mise en tension ici sur le côté, et on va ramener le bras au-dessus de l'oreille pour bien étirer justement tout le côté du thorax. Je respire bien à fond en même temps. Encore. Une dernière respiration. Je relâche. Même principe de l'autre côté. J'amène ma main sur le côté. Et ensuite le bras au-dessus de l'oreille. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Très bien. On passe le poids du corps sur l'avant. On laisse le dos se rouler. Et on étire son dos. On doit sentir le bas du dos éventuellement ou sa nuque. On relâche bien le dos, les épaules. Main devant les pieds, je me redresse doucement, je décroise les jambes et on va ensuite passer accroupi. Main devant les pieds,
Je vais déplier mes jambes. Prendre le temps d'une grande respiration. Bien relâcher mes épaules, ma nuque. Et ensuite, je replie mes genoux. Je déroule mon dos, le bas, le milieu, jusqu'en haut. Et je déroule mes épaules. Je respire bien à fond. J'étire une dernière fois en direction du plafond. Je serre le ventre, je monte sur pointe de pied. Et je relâche tout. Merci à vous. J'espère que cette séance vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous aura fait du bien. En tout cas, prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao !